Chérie, tu as un problème? Non, j'ai pas de problème. Tu es sûr? Oui, ça va. Papa, et tes yeux, ça va? Bon, ça va, mais il va falloir que je change les lunettes. Mais papa, je t'envoie de l'argent la semaine passée. Oui, j'ai reçu l'argent. Maintenant, c'est ta camarade Prisca. Je ne la supporte pas. Hein. Fais très attention à elle. Tu sais que tu ne remarques rien. Attends, je me lève. Tu ne remarques pas tout ça. Faites le crime parfait. Tuez-le-vous. Ne touchez pas son épouse. Assieds-toi! Tu vas passer par là? Tu vas passer par là? Ok, la gare, présentez-vous. Je ne l'ai pas tué. L'arme du crime a été retrouvée dans votre main. Et nous sommes convaincus que vous l'avez tué. Il y a un adage qui dit qu'on prend dans l'œil, mais quand on finit, on montre à l'œil. Est-ce que je peux savoir l'objet de votre visite? Il n'y a rien de grave. Mais je ne suis pas content de votre comportement. Tu es assis à la table. Toi, tu es assis à la table comme ça. Tu te prends pour qui? Tu te fous de moi ou quoi? Tu sais, il y a une tante qui vit avec nous depuis un moment. Là. Hein? C'est ta maman. Hein? C'est pas ma maman, c'est mémé, c'est ma maman. Maman. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Il va t'aimer. Mais il y a une seule condition. Oui, les génies peuvent rendre la femme folle le jour de son mariage. Si tu le veux, tu dis seulement oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il dit tout va bien. Il va bien? Chérie. Oui, moi quand même. Non, lâche ça. Lâche ça. Plus bagages. Maintenant, tout c'est tout. Jésus, tu libères ça. Au nom de Jésus. Hey, tu libères ça. Tu libères ça.